Nous sommes présentement sur la digue au Maralion-Provencher. On est en hiver, donc peu d'interventions qui se font en hiver, sauf certains entretiens, des fois, sur des nichoirs. Initialement, lors de la création du marais, il y a eu des nichoirs installés pour différentes espèces d'oiseaux et de canards. Actuellement, sur le marais, il y a un nichoir pour le canard colvert là, qui demande à être redressé. Donc, on profite de cet hiver, étant donné qu'on a la glace, pour pouvoir aller sur le marais et faire l'intervention. Il y a d'autres nichoirs qui sont installés à travers les quenouilles. Et puis, il y a d'autres bénévoles aussi qui vont passer par la suite pour vérifier le contenu des nichoirs, faire un nettoyage et les replacer pour la prochaine saison. L'installation des nichoirs et leur entretien favorisent la nidification des canards et aussi favorise l'observation durant la saison. On demande cependant aux ornithologues qui font de l'observation de respecter la flore et la faune, de ne pas déranger les oiseaux lorsqu'ils sont en nidification et en reproduction. Merci. Ici, on illustre bien tout l'effort qu'on fait pour lutter contre le roseau commun. C'est qu'on a un habitat typique qui est surtout de la quenouille en majorité. C'est là qu'entre autres, le petit blongio, il va nicher. Donc, le roseau commun, il peut prendre complètement la place de la quenouille. Donc, c'est vraiment une des raisons pourquoi on fait la lutte au roseau commun. L'avantage, en fait, de ces sites, c'est quand on peut protéger certaines... Enfin, quand on veut protéger certaines espèces, justement, l'installation de nichoirs. Donc, j'ai parlé de l'hirondelle bicolore. L'hirondelle bicolore, comme, en fait, toutes les hirondelles au Québec et en Amérique du Nord, elle est en déclin. Donc ça va être justement aussi une diminution de son habitat. Ça va être une diminution également de sa source de nourriture. Donc ici, elle va pouvoir retrouver un grand nombre d'insectes, en fait, grâce au marais. Mais bah, si elle n'a pas de zone pour nicher, donc notamment d'arbres avec des trous de bonne taille pour elle, on ne va pas pouvoir la retrouver et elle peut continuer à décliner. Donc l'utilisation de nichoirs est particulièrement importante. Les étangs hivernaux sont quand même des milieux peu connus du public. Durant l'été, ils vont avoir disparu, voire inexistants. Et c'est seulement avec la fonte des neiges qu'ils vont être accumulés d'eau. Et c'est là que le monde va souvent prendre ça pour juste une mare d'eau ou un étang. Et ils vont essayer de soit d'assécher ça ou de drainer l'eau de ces étangs-là, ce qui peut avoir un impact sur les amphibiens et même certaines espèces d'insectes qui vont proliférer dans ces milieux. C'est toujours important, c'est ça, d'avoir une diversité d'habitat, de laisser des plantes en fleurs, de laisser des plantes diversifiées, en fait, pas juste une plante comme le trèfle qui peut être intéressant pour plein de pollinisateurs, mais en soi qui ne va pas nécessairement plaire à tous les insectes, parce que potentiellement que le nectar est trop profond, ils n'y arrivent pas à y accéder ou des choses comme ça. La grille du frêne, c'est un super insecte, c'est une super belle petite bébite verte, vraiment, c'est un bel insecte, c'est juste que ça fait beaucoup de dommages. Et principalement en milieu urbain. Ici, à Neuville, à la réserve naturelle, on est bien, on a encore beaucoup d'arbres, beaucoup de forêts. Et finalement, les agrilles du frêne vont s'attaquer au frêne. Peu importe l'espèce, avec la pollution ou l'habitat est moins optimal, bien, les frênes vont subir, en plus de la pression de la grille, ils vont avoir une mortalité souvent élevée. En rive, en fait, il y a plusieurs menaces à l'intégrité d'un milieu, donc d'un habitat naturel. On parle entre autres d'érosion, oui, mais aussi beaucoup de causes anthropiques, c'est-à-dire des causes qui sont partie de l'homme, donc qui sont par nous. Une des choses, c'est la récolte d'espèces qu'on ne devrait pas faire, évidemment, pour avoir un milieu intègre. Donc, en fait, c'est très important, quand vous êtes dans un milieu naturel, de respecter les consignes que vous voyez, donc les pancartes et tout, de rester dans les sentiers balisés, sortir de les sentiers, que ce soit en rive ou même en milieu forestier. Ça risque, en fait, d'endommager la végétation, la flore qui est en place déjà. Donc, le plus possible, vraiment, de rester dans les sentiers balisés. La Société Provencher, comme on le sait, c'est une société d'histoire naturelle, c'est la plus vieille au Canada. Et elle a comme mission, justement, l'éducation.
la préservation de la nature. Donc, les bénévoles qui s'inscrivent à la société, c'est pour travailler à différentes tâches qui font en sorte que la société est vivante et dynamique. Le bénévolat, c'est bon pour la personne, mais c'est bon aussi pour l'organisme pour lequel on fait du bénévolat, mais c'est bon aussi pour la communauté. Parce que, justement, ça dynamise les milieux, ça dynamise les collectivités. Il y a plein de nouvelles idées qui sont apportées. Il y a plein de travaux qui sont faits par des bénévoles. C'est une richesse.